Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la sortie officielle des Duellistes Légendaires saison 2 que j'ai reçue ce matin. Je m'excuse évidemment du délai que ça peut prendre pour vous sortir des vidéos de qualité, pas le jour J. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un peu de mal à me procurer les produits, étant donné que je n'ai pas de magasin à côté. Et un petit coup de gueule que je vais passer par rapport à Konami qui malheureusement offre des coffrets ou displays bien en avance à certains youtubeurs, ce qui fait que pour les plus petits youtubeurs comme moi, c'est une concurrence déloyale un petit peu et on ne peut pas sortir des vidéos de qualité assez rapidement malheureusement. Donc en fait, on est un petit peu bloqué, donc j'espère que ça changera et que c'est qu'une phase parce que sinon je ne pourrais pas vous sortir des vidéos le jour J ou même avant comme certains youtubeurs peuvent le faire, notamment sur votre Vortex embrasé. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Maintenant, on s'en fout, c'est passé. C'est comme ça. J'ai reçu les petites boîtes que je vous présente juste en bas. Donc, les petites boîtes se présentent comme ceci, comme d'habitude. Donc là, j'en ai commandé une display de 8. Et on va s'en ouvrir 4 pour la vidéo. Hop, je vais les glisser juste là. Ce sera plus simple. Donc, voici comment se présente le produit. Donc, dans ce petit package, nous avons un dé, deux boosters et normalement une carte promotionnelle. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va ouvrir directement les quatre coffrets et on va découvrir la série. C'est parti. Hop, alors nous sommes partis. Du coup, je vais vous présenter, j'ai fait exprès d'ouvrir les quatre différents. Donc, je vous présente les quatre dés alternatifs que vous pouvez retrouver dans ces coffrets. Donc là, nous avons une sorte de harpie, la petite harpie juste ici. Nous avons le petit dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite, nous avons, je pense, le dragon alternatif aux yeux bleus. Il me semble que c'est celui-ci. Et le quatrième, je ne sais plus où est la page, je pense que c'est le bébé tigre amazonès. Donc voilà, quatre jolis petits dés qui vont venir du coup compléter la collection de dés qu'on a l'habitude d'avoir dans ce genre de coffret. Au niveau des sachets promotionnels, donc j'en ai ouvert que 4, mais nous aurons le programme urgent. En secret, là où je suis très content, le L noir maître complet des armures qui tombe. Donc ça, comme je suis fan des L noirs, c'est top. Orbital photon également top puisque je suis en train de préparer le deck d'Orbital qui a un deck dans l'animé Zexal. Super cuirassé, canon ferroviaire, Juverno, Lieb, tout ça, en secret rare et qui ira également dans un deck train. Voilà, donc je pense que c'est une très très bonne carte à avoir également. Malheureusement, parmi ces quatre, pas de dragon blanc de l'archétype. Donc, on verra plus tard. Je vous propose de passer immédiatement du coup à l'ouverture des boosters pour qu'on puisse découvrir tout ça. C'est parti. Alors, tac. On commence avec un ange œuf cyber. Ok, amoureux de la rose qu'on avait déjà eu en super rare. Cyber bouclier. Rose cloche de la révélation. Reine angélique de la rose. Alors, tir de barrage également. C'était très très bien. Fée de la rose des ténèbres. Arbalète rayonnante. Acteur des abysses dont je suis vraiment pas fan. Une petite harpie numéro 1 qui tombe. Ok, un script des abysses. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des acteurs des abysses. C'est vraiment le bémol pour moi. La pierre blanche légendaire qui fait plaisir. Volatile photon. Ok, très très bien. Encore un acteur des abysses. Ouh, dragon clair de lune rose noire qui était en HSRD si je dis pas de bêtises et qui était une excellente carte à choper à l'époque dans Raid à grande vitesse, Rider à grande vitesse, je sais plus. Donc très très bonne synchro qu'on pioche directement. Oh, dragon rose rouge, donc on est vraiment sur les cartes d'Akiza pour l'instant avec un magnifique dragon rose rouge, dragon syntoniseur, donc il est magnifique vraiment. Et derrière, le dragon photon aux yeux galactiques en ultra rare, ça fait plaisir, ça fait un très long moment qu'on ne l'avait pas eu en ultra rare. Et donc franchement je trouve que c'est une excellente nouvelle. On continue, puisque vraiment dans cette extension nous aurons des L noirs, des cyber, il me semble qu'il y aura des amazones. On est reparti. Ange machine incarné, danse de Serena de clair de lune qui était assez recherchée, rose tentaculaire. Ange œuf, cyber, amoureux de la rose, cyber bouclier, rose cloche de révélation, donc là globalement c'est les mêmes communes, zéro galactique, donc on a beaucoup de cartes pour les photons, ça c'est cool aussi. Kaibaman, main photon que j'avais pas du tout, ou le cyber dragon sieger, ok en commune c'est un peu dommage, mais pourquoi pas, il est représenté ici, il était réédité dans les Team Box, il était dans la série CEO en secret, si je dis pas de bêtises, en ultra, je sais plus.
Un acteur des abysses encore. Ouh, le dragon blanc alternatif aux yeux bleus qui tombe et qui fait super plaisir. Cette carte, je la trouve vraiment somptueuse. Et puis, voilà, en ultra rare, donc pourquoi pas. Dragon rose bleu, et bien voilà, on fait le tour avec les dragons roses. Et derrière, le dragon ultime aux yeux bleus. D'accord, je ne savais même pas qu'il était présent dans cette extension en ultra rare. Et derrière, nous aurons une autre petite commune qui est restée. Allez, on enchaîne pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Alors, rose tentaculaire, Damarpie en formation phénix. Donc après, globalement, voilà, ça va être les mêmes Ange Machine. Là, on a des cartes un peu différentes. Numéro 81, des acteurs des Alices, Cyber Pharo, Zéro Galactique, Sorcier Galactique, Sanctuaire du Dragon, le bébé dragon famille de Harpie qui fait plaisir aussi aux fans, je suppose, des Harpies, Mausolée Blanc, acteurs des Abysses, le dragon rose croisé, décidément, on les aura tous, les dragons roses. Ok, le dragon du Chaos Max aux yeux bleus, bof, je l'ai déjà énormément cette carte. Et derrière, le dragon blanc alternatif aux yeux bleus une seconde fois. Donc je sais pas si elle tombe difficilement ou pas, mais en tout cas on en a une deuxième. À l'époque ça tombait plutôt difficilement, je sais, dans les movies, enfin dans les... oui, c'était les petits coffrets movies qu'on avait. Ça tombait plutôt difficilement, donc là pour l'instant on est pas mal. Ange banni des roses, ruée sur rail du Pégase volant. Épine perfide, danseuse aux épées clair de lune, fée de la rose, ok. Élégance de dame harpie, on a encore du acteur des abysses que j'aime pas du tout. Le dompteur aile noire en commune, d'accord, dommage, dommage. Dame harpie 2, aile noire rafale la bourrasque, bébé dragon familier de harpie. Oh, aile noire no tongue, la lumière d'étoile, bon, en commune. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, elle se rendra beaucoup plus disponible dans cette extension. Pour ceux qui ne l'ont pas, ça peut être un très très grand atout. Et derrière, Dame Harpie 3, on passe aux raretés avec aile noire Simone Levent empoisonnée. Putain, qu'est-ce qu'elle était compliquée à avoir celle-là et qu'est-ce qu'elle avait coté pour les fans aile noire. Donc je suis très content de l'avoir réédité dedans et de l'avoir chopée. Une très très bonne carte. Le dragon solide aux yeux bleus, impeccable, parfait. Et derrière, le dragon rose croisé qu'on a déjà eu. Ça, c'est dommage. Allez, on continue. Allez. Oiseau émeraude, clic hystérique, rose splendide. Très, très bonne carte également. Ok, ange machine, danse de sérénade, rose tentaculaire. Un aile noir, une main photon, les acteurs des abysses, la bourrasque. Ok, Majesté avec des yeux bleus, très très belle carte. Révolution cybernétique, excellente carte aussi que je n'avais pas, il me semble. Hein. L'oracle harpie qui tombe en ultra, chevalier galactique. Et derrière, la fusion cyberchargement qui fait super plaisir. Et elle aussi, elle était très 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 difficile à choper. Elle cotait quand même facilement une trentaine d'euros. Donc aujourd'hui, ben, c'est réédité et c'est pour vous les fans de Cyberdragon. Et la petite carte numéro 81 qui se cachait derrière. Allez, il nous reste 3 boosters pour voir un petit peu. Pour l'instant, je suis plutôt assez content. Au niveau des rééditions, elles sont quand même assez classe. Il n'y a rien à dire. Égoïste, élégant, paladin de la rose. C'est vrai que de suite, c'est beaucoup d'archétypes pour des personnages. Donc pour moi, c'est vraiment le coffret idéal. Rose splendide, dompteur aile noire, nickel, dame harpie 2. Le bébé dragon pour la troisième fois. No tongue, ok, c'est le même booster que tout à l'heure. Demoiselle aux couleurs yeux bleus, je sais pas trop quoi. Révolution cybernétique. Ok, encore du script des abysses. Relais blanc. Le dragon ultime aux yeux bleus, je trouve ça vraiment dommage puisque... Bah, on en a à toutes les sauces malheureusement avec des coffrets et des listes légendaires ou autre. Voilà, donc tant pis. Le dragon de Harpie, ça par contre c'est cool, réédité et en ultra rare, ok, parfait. Et derrière, Oracle, Harpie qu'on a déjà eu. Allez, plus que 2 boosters pour tenter d'avoir vraiment encore quelque chose d'assez lourd. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas mal du tout. Allez, ok. Repos du plumeau de Dame Harpie qui était dispo en ultra rare. Fusion clair de lune, qui était dispo en super rare à l'époque. Ça rappelle énormément de souvenirs. Là, il y a des communes qu'on n'avait pas eu. Demoiselle aux couleurs bleues. Super embrasement strident qui était très très bien. Le dragon Cyber. Dompteur aile noire une troisième fois. La cyber harpie. Waouh!
qui a été réédité d'ailleurs dans les speed duels, dans le coffret Batailleville, et à ma grande surprise, et du coup qui est à nouveau disponible là. Donc malheureusement la fameuse édition LCJW a dû perdre en valeur, puisque ben, les fans de Harpy peuvent mettre la main assez facilement sur cette carte. En plus elle est en commune, main photon, les sœurs de Harpy dispo en ultra rare, donc ça va faire plaisir également. Cyber Dragon Nashter qui était aussi assez demandé dans du pot si je dis pas de bêtises, et derrière le dragon photo photon aux yeux galactiques du coup une deuxième fois avec oiseau de rose que je connaissais pas du tout dis donc, qui va finir dans le deck d'Akiza je pense hein. Voilà, il a l'air assez chouette, je connaissais pas du tout cette carte, je sais pas d'où elle sort, je savais même pas qu'elle était dans les duelistes légendaires. Écoutez, c'est très bien, on va étudier tout ça. Et le dernier booster de cette vidéo, les amis. Hop, au niveau des communes, je pense qu'on a quasiment fait le tour. Non, on l'avait pas eu ça. Saut de la rose, danseuse, harpie, un neutron, mausolée blanc, esprit du dragon blanc. Très très bonne carte en commune. Ça pourra faire plaisir les acteurs des abysses que j'aime pas. Le petit dragon à pas qui est très mignon. Maître avec des yeux bleus. Le dragon rose noir, ok, donc réédité en ultra rare, ça fait super plaisir. Le cyber dragon Nashter, ok, pour une deuxième fois. Et derrière, le dragon blanc aux yeux bleus en ultra rare, qui fait super plaisir également pour les fans, pour avoir un peu plus de rareté, même si elle a été réédité plusieurs fois en secret, ultra ou autre. Bah, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Et la sorcière de la rose en commune, juste derrière. Je vais repasser vite fait toutes les ultras qu'on aura eu en 4 coffrets, je le rappelle. Donc il nous en reste 4 à ouvrir, que j'ouvrirai sûrement plus tard ou autre, ou même garder scellés, je ne sais pas encore. Dragon Rose Noir, on aura eu pas mal de cartes honnêtement. Il y a de très très jolies choses à faire avec tout ça. La fusion cyberchargement qui fait super plaisir, que je recherchais. Le Dragon Solide qui va remplacer ceux que j'avais. Celui-ci que je recherchais également pour le deck Crow. Les dragons alternatifs, ça fait super plaisir d'en avoir un peu plus. Après voilà, il y a quand même quelques cartes qui ne vont me servir à rien. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à checker mon card market si vous recherchez des cartes. Je pense que j'en mettrai peut-être à l'unité. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que la présentation de ce duelliste légendaire saison 2 vous aura fait plaisir. Alors honnêtement, je vous conseille grandement de vous procurer au moins une ou deux boîtes, puisque vous avez énormément de rééditions très sympathiques. Si vous êtes fan des harpies, des cyberdragons, des yeux bleus, des ailes noires, même des acteurs des abysses, je sais pas comment ça peut arriver, mais ça peut arriver. Honnêtement, procurez-vous cette boîte parce que vous allez vraiment faire le plein de cartes. Les raretés sont magnifiques, les cartes choisies sont top. Vous avez même des communes qui sont ultra intéressantes, à l'image des synchros ailes noires qui seront disponibles assez facilement dans cette extension. Et du coup, vous allez vraiment faire le plein. Après, voilà, ce sera des cartes assez fun. Hormis Cyber Dragon, vous allez taper peut-être un fusion cyberchargement qui sera très intéressant, peut-être en méta. Après, est-ce que Cyber Dragon est vraiment méta? Mais il est quand même assez fort. Notamment Al Noir qui est très fort avec la carte qui était dispo en ultra rare. J'ai perdu son nom. Mais voilà, en tout cas, cette extension me remplit énormément de bonheur. Ça fait un moment que j'attendais. Donc j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Dites-moi en commentaire évidemment si vous en avez acheté, si cette extension pour vous est une très bonne sortie. Et voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ce qui me ferait super plaisir, à continuer à me suivre. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.